Bonjour et bienvenue dans le 48e épisode et 19e de la série bonus 100% de ce let's play sur Lego le Hobbit. Voilà, donc, comme vous en avez l'habitude maintenant, l'intro tournée après. Donc on sort tout de suite, voilà, à tout de suite. Bon bah je vous retrouve à l'endroit précis où je vous avais abandonné lâchement la dernière fois. Je vais rester dans le coin, je vais essayer de résoudre quelques petites quêtes. Même si la dernière fois ça n'a pas été totalement couronné de succès parce que je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Bon, on va voir ce qui. Là, on va voir. Ouais, bon, il faut une clé. Où est-ce que je trouve la clé? Ah, bah oui, sous la terre en attente, la clé de la porte qui est manquante. Tourner du noir vers la clarté et apparaîtra. Oui, c'est la clé. D'accord. Du noir vers la clarté. Est-ce que c'est faire passer le jour? Je suis là. Bon, on va aller là, tiens. Ah, c'est chiant ça. Choisir. Ok, donc il me faut un camp. Il me faut un feu de camp, je veux dire. Ah, oh, mais il est loin. Il me faut un feu de camp, mais il est loin. Là. Oui. Ouais, je vais faire. Ah ah. Qu'est-ce que c'est que ce. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce panneau? Ah bon, d'accord. C'est bien, il m'indique la direction. Non, on peut pas casser. Tant pis, je vais aller passer la nuit, pas la journée. Allez, oh puis ça va être long encore. Bon, et voilà. Ça c'est de changer d'heure, oui. C'est dommage qu'on puisse pas passer ça. Utiliser une boîte d'amadou ou une torche enflammée pour allumer un feu Lego. Alors tiens, dépenser le butin Lego récolté pour appuyer sur 12 mois parce que sinon oui. Je vois, il parlait d'amadou. J'ai longtemps cru que l'amadou était un matériau. Et en fait non, c'est... Les elfes ont capacité de figurer. En fait non, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on utilise pour allumer un feu. Les matières inflammables. Oui, nom d'un Bernard Lamotte. Attends, tiens, qu'est-ce que c'est? Tu veux rien? Tiens, t'avais qu'à pas te promener la nuit, tu fais des mauvaises rencontres. Tiens, toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Nom d'un Bernard l'ermite. Bah alors, B. Ça m'a pris du temps, mais ce pont est enfin réparé. Le problème, c'est qu'il est maintenant beaucoup trop tard pour que je rentre tout seul chez moi. Ne vous moquez pas de moi, mais pourriez-vous me raccompagner jusqu'à Brie? Je suis peut-être une poule mouillée, mais je parie que vous aussi, vous avez entendu parler des choses horribles qui rôdent ici la nuit. Veuillez m'excuser. J'ai bu un petit verre. Allez, bon. Ok. Tiens. Mais non. Mais arrête de voir de taper l'autre, là. J'ai bien l'impression que les seules choses horribles qui est là, c'est nous. Allez. Tu crois pas que t'arriverais à te défendre un peu mieux si, au lieu de cacher ta tête dans tes bras, tu les utilisais pour les foutre sur la gueule des autres? Enfin bon. Qu'est-ce que c'est que ces panneaux là? Attends, fais voir. Ah, il y a un truc là-haut. Là. Ah non, je vais le ramener. Je vais le ramener parce que sinon il va me faire recommencer depuis. Bon. Je retournerai là, c'est là-haut.
C'est là-haut qu'il faut aller chercher la clé. Encore. Vous n'avez pas compris que prendre un coup de poil sur la tronche, si ça touche, ça fait mal. Bon allez, t'es où toi? Où il est? Où est-il? Où il est le foussard? Bah. Ah bon, ok, d'accord. Eh ben, c'est bon, on va régler la question, on va aller là-haut. On va aller chercher la clé. Je pense. Ouais. Je pense que c'est là-haut la clé. Si seulement une bonne poire pouvait lui donner un coup de main. Bon. C'est l'heure de la chasse au trésor. On est tous là. D'accord. Donc il faut le ramener lui. Ah tiens, attendez. Qu'est-ce qu'il me dit là? Bon. C'était pas voulu, mais finalement ce voyage n'ira nulle part tant qu'on n'aura pas vu le dernier orc. Visiter le customiseur Esgaroth pour accélérer le processus. Ok, bon. Si seulement une bonne poire pouvait me donner un coup de main. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a. Je vais prendre. Et qu'est-ce que ça fait ça? Bizarre comme parcours. Ouais, là, c'est bien, là ils me disent ce dont j'ai besoin, l'appareil. Mais je ne comprends pas à quoi servent les carrés, les triangles blancs. Alors bon, on va quitter, on va voir. Je pensais que je trouve. Ah, là, il y a quelque chose. On va descendre. Hop. Non, c'est l'histoire de clarté et de nuit là. Ah, je peux pas l'ouvrir sous la terre en attente. La clé de la porte qui est manquante. Tourner du noir vers la clarté et apparaîtra. Oui, c'est la clé. Oui, mais il faudrait que je trouve une caverne, je pense. C'est quoi ça? Il est mes charpentiers. Bon allez hop, on va chercher ça, tant pis. Ouais, je peux pas y aller. C'est quoi ça? Forgeron, allez. Eh ben je peux pas. Qu'est-ce que c'est? Brille. Comme mitril, choisir comme destination. Je ne peux encore pas, bon sang. Non. Qu'est-ce que c'est, toi? Prosper point de bré. Je ne peux pas. Je n'y ai pas accès. Bré comme mitril. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Ah, ça m'agace. Dame des ombres. Je ne peux pas non plus. Bon, j'aimerais bien trouver quelque chose que je peux faire. Je
Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est quoi? Tarte en péril. Indisponible à 7 h, ok. Ça, c'est quoi? Baffe hydraulique. Ouais, bon, alors vous savez ce que je vais faire, hein. Je vais aller au camp ici. Alors, non, honnêtement, je ne comprends pas. On va y aller, hein. Il me donne des pancartes. Je vais suivre les pancartes, tant pis. Je ne sais pas où je vais. Là, il y a une porte. Oui, je sais que je passe de l'un à l'autre. Ah, là, il y a une clé, là. Je passe d'un truc à l'autre, mais parce que je ne sais pas quoi faire. Donc, dès que je vois une porte... Oh, putain, je peux pas... Non! Voilà. Les grands personnages se munissent d'un tic de puissance peuvent soulever des objets légaux munis de poignées oranges. Bon, attendez. Les grands personnages. Est-ce que c'est considéré comme un grand personnage? Qu'est-ce que c'est que les grands personnages? Est-ce qu'il y a des humains dans l'eau? Est-ce que je peux trouver des humains? Barbe. Les grands personnages. Mais je n'en ai pas. Bon, tant pis. Oui, je me suis encore dispersé. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Il n'y a rien. Rien. Est-ce que je peux casser au moins? Je veux casser quelque chose. Non, puis ça m'agace ça. Hein. On va prendre mon petit préféré. C'est Dolin, je crois. Bon sang. Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Ah, attendez, non, non, je vais... Ah, ben il me l'a enlevé, saleté. Bon, tant pis. À quoi servent ces chouettes? J'allais dire ces mouettes. Bon, rien. Et j'ai vu quelque chose là de rouge, dans l'arbre. Là, il faut... Ah ouais, d'accord, ok. Bon, là, je vais prendre l'elfe. Attendez. Est-ce que c'est de l'importance qu'elle soit verte? Voilà, bon, j'aurais pas fait le voyage pour rien au moins. Alors attendez, j'ai vu quelque chose. C'est quoi ça? Est-ce que je peux traverser? Oui, je peux traverser. Je peux traverser sans faire de plein de pieds, si possible. Il là-bas, il y a un truc avec des cibles. Non! Ça rame un peu, je sais pas pourquoi. On va se prendre, voilà. Celui-là. Hop.
crois qu'il y a un moment, il faudra que je me décide. Bon, pour l'instant, je trouve toujours quelque chose à faire, mais il faudra que je me décide un coup quand même à regarder un peu d'aide. Parce que je ne comprends pas. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Les articles explosifs peuvent détruire les objets légaux en mitrille. Ok. Donc je suppose que c'est... Non, c'est pas ça que je veux taper. Je suppose que ça c'est... Non ! Mais c'est pas ça non plus. Tu me fatigues. Tu me fatigues, Doualin. Bon, d'accord. Ça c'est pour aller en haut, mais c'est pas ce que je veux faire. Bon, là, c'est un truc qu'on va devoir construire, donc ça va. J'espère qu'elle va me donner un truc pour faire exploser le mitril. Dis donc. Mon puits. Vous voyez ce puits? Mais en fait, vous ne le voyez pas, car il n'y a pas de puits. Il n'a pas été entretenu depuis longtemps. J'aurais besoin de votre appui. Pourriez-vous me construire un nouveau puits? Puis je pourrais peut-être arrêter de répéter puits pour commencer. Bon, allez, qu'est-ce que tu me dis, toi? Il vous faudra le butin Lego spécifique pour construire cette plaque d'établi, trouver du butin Lego, oui, pour ça. Je pense que je vais avoir ce qu'il faut. 5. Voilà. Et on va faire du tic-tic-tic, hein, comme d'habitude. Oui, il y a tout là. Tic 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 tic. Et il va m'en laisser faire la boîte blanche, l'arche. Oui, ça. Et non, c'est dégueulasse que le chrono soit lancé là. Là. Ça. Ça. Attendez, ça. Je n'arrive pas à comprendre le mécanisme pour lancer le chrono. Ah, bon. Mon puits, c'est un nouveau puits. Puis-je vous demander d'où vous puisez vos efforts? Bon, elle est lourde. Puis... Ah, j'ai épuisé toutes les utilisations du mot puits, mais c'était plutôt amusant, n'est-ce pas? Merci d'avoir réparé le puits. Bon, ça, j'étais sûr qu'elle me donnerait ça, je vais pas m'en plaindre, mais j'aimerais bien trouver des outils. Ah, on peut pas aller dans la flotte. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Équiper la pelle et appuyer sur V pour faire pousser un plan Lego. Mais est-ce que je ne pourrais pas prendre... c'est celui-là. Oui, il peut. Ouais, ça va juste me donner 3000 pièces. Mais je peux pas. Je peux pas casser ça. Je peux pas casser ça. Il se noie dans. C'est vraiment des nains, il se noie dans 10 cm d'eau. Bon. On aura quand même une autre. Je crois que c'est la deuxième aujourd'hui. Hein. 34,6%. Ça avance pas au niveau. Ah, quel con, j'avais oublié. Ah là 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 là. Les phases de plateforme me rendent chèvre. Ah bah tiens, on va aller là-bas. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Avec le lance-pierre, oui, tirer sur lui. Maintenant, oui, bon, ça je sais depuis longtemps. Hop. Alors. Ah. Quelle est la combinaison?
Quelle est la combinaison? Je me demande si ça n'a pas un rapport avec les chouettes. Où je trouve la combinaison? Où puis-je trouver la combinaison? Bleu, rouge. Et vert. Alors on va essayer bleu, rouge, vert. Je suis persuadé que c'est un rapport avec les chouettes qu'on voit là-haut. Là, il y a une chouette rouge. Attendez, je vais changer de personnage, je vais prendre l'elfe et je vais refaire un tour là. Alors, je dirais bleu. Ah oui, bien joué. Je pensais qu'on pouvait pas tomber. Attends, qu'est-ce que tu me dis pas? Les elfes, oui. Bleu, rouge, vert. Bleu, rouge, vert. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, c'est fait. Attendez. Caméra, tu m'embêtes. Alors, là, c'est la bleue. Bleu, vert, rouge. Oui, mais le problème, c'est que ça me dit que le vert rouge, on va essayer ça. Bleu, vert, rouge. Alors, bleu, vert, rouge. Donc il faut que je les tape toutes deux fois. Ah, attendez. Est-ce qu'elles sont au même niveau? Attendez, qu'est-ce qu'il me dit là? Du perchoir, l'oiseau en pierre vieutait, la caverne, ses enfants ainsi que les clés. Oui, tais-toi, toi. Là, tu vas te prendre un coup. Alors, attendez. Je vais relire l'énigme. Du perchoir, l'oiseau zieutait ses enfants, la caverne. Du perchoir, l'oiseau en pierre zieutait la caverne, ses enfants ainsi que les clés. Alors attendez, qu'est-ce qu'il regarde? Alors. L'oiseau zieutait ses enfants. Alors.
Oui, tais-toi, toi. Ne m'agace pas. C'est pas le moment. Non, non. Bon, maintenant, je ne trouve plus comment aller sur les cordes. Alors. Ses enfants, le bleu. Sa caverne et les clés. Attendez. Et les clés. Attendez, je n'arrive pas à voir où il regarde. Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Aux empires, monsieur. Non. Oui, regarde le verre. Alors. L'oiseau en pierre jetait ses enfants, la caverne et les clés. Alors, le rouge, qu'est-ce qu'il regarde ? J'ai l'impression qu'il regarde les clés. Donc le rouge, ce sera un troisième. Oh, je ne sais pas. Je vais aller voir là-haut, il y a un truc. Non, ne descends pas, ne descends pas. Attendez, il y a quelque chose à faire. B. Bon, on va déjà... Ah, tu peux pas passer là quand même, c'est fatigant. Du perchoir, l'oiseau en pierre, zioté, la caverne, ses enfants ainsi que les clés. Ah non. Ok. B. Oui, et... Alors, l'oiseau en pierre ziotait ses enfants. Comment je vais là-haut? Bon, j'ai pas besoin d'aller là-haut. Alors... L'oiseau en pierre jetait ses enfants, la caverne et les clés. Mais pourquoi tu... Je t'ai demandé de quitter le... Jetait ses enfants. Qu'est-ce qui regarde ses enfants? Il y en a un là-bas. Donc, l'oiseau en pierre rouge jetait ses enfants, la caverne. Alors, rouge, vert, bleu. Oui, il me semble que c'est ce que j'avais déjà fait. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Je pense que je ne suis pas très loin. Rouge, vert, bleu. C'est pas ça. Rouge, vert, bleu. L'enfant en pierre. L'oiseau en pierre jetait ses enfants, les cavernes et les clés. Non, mais c'est pas ce que je veux faire. Alors, l'oiseau en pierre ziotait ses enfants. Ah, attendez. Qu'est-ce que ça fait si... Non, Y. Qu'est-ce que ça fait si je tire sur les piafs? Ça fait rien. Je suis perdu par cette énigme. Je ne comprends pas ce que c'est que l'oiseau de pierre. L'oiseau de pierre. Est-ce que c'est le griffon? Enfin, c'est...
Je dis griffon, mais je ne suis pas... L'oiseau de pierre, Ziotet, ses enfants, la caverne et les clés. Donc, l'oiseau de pierre, ça devrait être lui. Oui, bien joué, bien joué. Bien joué. Bon. Les autres pierres, c'était ses enfants. La caverne et les clés. Bon. Tant pis, hein. On est parti. Au départ, on voulait changer d'heure. Je vais être obligé d'arrêter l'épisode, mais j'aurais quasiment rien fait. Et puis ça, je peux pas passer. Oh, je suis en train de me dire que je me suis peut-être trompé d'épisode, de numéro d'épisode. Moi, c'est pas grave. On va aller là. Allez. J'espère que je vais pouvoir faire ça avant de quitter. Je sais qu'il y a un trésor quelque part dans le coin. Faisons affaire. Tu peux voir. Ok. Ça, j'en ai pas beaucoup de trucs là. Dépêche-toi. Ah non. Ah non. Non. Ah tiens, il y a une fonction sous. Oh putain, je découvre des choses. Alors attends, on va essayer d'aller là-haut. Est-ce qu'on peut aller là-haut? Un beau fail hein, cet épisode, parce que j'ai rien fait, je me suis planté sur tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Attends. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, exactement ce que je cherchais. Et si on faisait affaire tous les deux? Allez, donne-moi ça. Du poulet. Bon. Mais comment on dézoome? Moins, plus. Ah bah j'ai fait. Oh, allez-y doucement. Il n'y a pas le feu. Ah d'accord, oui. Ok. Choisir comme destination. Ok. Ah mais je, en fait, c'est là où je suis. Comment on récupère la pièce qui est derrière? Là tu m'as l'air malin quand t'es coincé là-dedans. Aller voir là-dedans, puis on arrête l'épisode parce que là ça va commencer à être long. Il n'y a rien à faire ici. Ah, c'est pour acheter. Bon, j'aurais acheté au moins quelques personnages, il me semble. Mais ça m'énerve de faire des épisodes creux comme ça. Mais bon, moi je vous cache rien.
j'avais pas eu l'idée idiote de proposer le jeu à 100%. On devrait toujours réfléchir avant de parler. Ça aide. Et normalement c'est pour l'acheter. Acheter, voilà. Bon, c'est toujours ça, hein. Il me reste quand même une paire à voir. 54 sur 98. Ouais. Bon. J'aimerais bien savoir combien il faut de briques blanches et comment on a les briques rouges. J'ai que 9 plans sur 32. J'ai au moins 8 mètres cambriolaires sur 16. Voilà, bon. Donc voilà. Donc j'espère que malgré tout cet épisode vous aura plu, hein, et qu'on pourra se retrouver la prochaine fois. Voilà. Merci, au revoir.